Je suis fatigué, direction l'aéroport. On va où on était au début. Et demain, on a le vol pour Danemark. On vient d'atterrir. Je vous mens pas, je suis fatigué. J'ai jamais pris autant d'avions en peu de temps. Et en plus de ça, on n'a plus de sous. On doit rester ici. On va dormir, je pense, à l'aéroport. Être une galère. Toute la journée, demain notre vol il est, je sais pas à quelle heure, mais en tout cas on doit dormir à l'aéroport. On essayait de gratter l'amitié avec la couze du 12 pour qu'elle nous paye à manger. On a faim, je vous jure, on a faim. On a pris des pâtinoises, mais on fait comment manger des pâtinoises. Il n'y a que ça, il n'y a rien de halal, il n'y a rien d'intéressant en fait, même des sandwichs au thon ou quoi, il y a R. En tout cas, je tenais à dire que c'était une expérience de folie. Je ne le vivrai qu'une fois ça, et pas une deuxième fois. En tout cas, c'était magnifique, les paysages, le décor. C'est incroyable, vraiment incroyable. C'est une expérience de fou. Vous n'avez pas oublié quand même. Quand j'arrive, je suis dans le dos. Vous inquiétez pas. Inquiétrice, on a comme Arfine. Elle parle pas depuis tout à l'heure, laisse tomber. Ah ouais, j'aime pas la voir comme ça. J'étais obligé de te réveiller, Wakilo. Anaïs, ça y est, elle a pas à manger, frérot. Elle est blasée de fou malade. Elle est là. Ah, tu souris, là? En fait, il te fallait juste un câlin. Oui? Mais de quoi tu viens? Je te parle, toi. Il te fallait juste un câlin, en fait. Ouais. Oui. On a trouvé du poisson. Du poisson. Alléluia. Il y a du poisson. Oh, là, faut pas parler avec Mimi. Comme Mimi. Comme Mimi. You know it, you're beautiful. Ok? Non. Aïe, 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 aïe. Mais elle est bonne, cette petite. Mais elle est folle, non? Elle m'a pris le nez, elle m'a arraché. Par là, elle m'a arraché le nez. Elle a retrouvé sa copine. Eva. Oh, comment elle s'appelle? Eva. Eva. Ova. Ova. Lingo, lingo! Oui? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est mongole? Oui?